Alors bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OSCI. Un petit message en particulier à leur core team No Limit Sécu qui m'a donné quelques liens à l'arrache ce midi pour ajouter dans mes slides, en particulier sur la partie troll. Donc je les remercie. Donc partie file bulletin advisories. Donc le bulletin de sécurité Microsoft d'octobre est sorti en octobre avec pas mal de vulnérabilités assez critiques. En particulier, je vais pas tout décrire, mais des vulnérabilités sur Exchange avec des exécutions de code à distance, dont celle-là. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été remontée à Microsoft par la NSA. Étonnant. On peut se demander si c'est pas lié aux vulnérabilités qui ont été trouvées par des chercheurs chinois sur les mois précédents. C'est une vulnérabilité dans Windows qui correspond à juste une élévation de privilèges local, mais qui est surtout utilisée dans la vraie vie par un malware qui s'appelle le Mystery Snail. Une vulnérabilité d'exécution de code à distance sur Windows Server, sur le DNS, ça fait plutôt mal. Je passe les suivantes. Et ce qui est intéressant, c'est donc l'hyperviseur Microsoft Hyper-V qui est vulnérable à des exécutions de code à distance, en particulier sur la partie virtualisation du réseau. Ça, c'est toujours gênant vis-à-vis d'un hyperviseur. Ensuite, je passe très rapidement sur le support Windows. Il faudra que je rajoute Windows 11 d'ailleurs, qui vient de sortir. Alors ça, c'est assez rigolo. C'est vraiment une vulnérabilité, mais un comportement particulier de Windows, qui est que si vous créez un répertoire, un nom de répertoire avec un nom particulier, le Windows ne le voit pas. Enfin, le système Windows ne le voit pas. Donc en fait, tout simplement, vous renommez un répertoire avec ce nom en particulier. Et alors, j'ai plus les détails exactement de l'explication, mais il y a une différenciation entre le système 32 et 64 bits, ce qui fait qu'en mode 64 bits, vous ne voyez plus le répertoire, il disparaît. Donc potentiellement, vous pouvez y cacher du code offensif, des malwares. Alors, vulnérabilité sur les applications, ça, elle est très intéressante. Elle touche GitLab, qui a déjà eu pas mal de problèmes ces derniers mois, on va dire. Et là, en fait, sur GitLab, si un GitLab permet de créer un compte, il est possible ensuite d'ouvrir des tickets, enfin des issues, et potentiellement d'y mettre des pièces jointes. Si en tant que pièce jointe, vous y mettez un fichier de type déjà vu, donc le DJVu, il sera ensuite traité par GitLab qui utilisera ExifTool, qui est un peu la bibliothèque de référence pour le traitement de tous les fichiers. Et en fait, ExifTool ne fait pas confiance à l'extension du fichier pour savoir ce qu'est le fichier. Donc avant de le traiter, enfin. Il ne va pas le traiter par rapport à l'extension, il va le traiter par rapport aux entêtes. Et si vous utilisez un format de fichier déjà vu, vous pouvez inclure dans les métadonnées un code qui simplement exécute une commande shell, et vous obtenez une exécution de code à distance juste en téléversant un fichier DJVu que vous renommez par exemple en JPEG ou ce que vous voulez. C'est plutôt intéressant. En fait, c'est une vulnérabilité qui touche ExifTool, mais qui remonte à GitLab CE. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres outils qui doivent être vulnérables à cette vulnérabilité, mais j'ai pas vu passer grand-chose à part sur GitLab. Et a priori, c'est exploité dans la nature. Alors juste faites attention au code d'exploitation qui utilise un user agent par défaut, pensez à le changer si vous testez le code d'exploitation. Ensuite, plusieurs vulnérabilités chez SonyCall. Alors, je passe rapidement. La deuxième est très intéressante parce qu'elle permet donc à la base, c'est effacement, mais effacement écriture de fichiers, effacement pardon, de fichiers arbitraires, et ça vous permet d'effacer le mot de passe et donc de réinitialiser le mot de passe de l'administrateur en écrasant la base de données. Ce qui fait que vous vous retrouvez, vous pouvez réaccéder à l'interface d'administration du SonyCall et remettre en place le mot de passe de l'administrateur et donc prendre le contrôle du SonyCall à distance. C'est plutôt pas mal. Alors ça, c'est une vulnérabilité chez Cisco, donc Policy Suite, la solution de Cisco. C'est relativement fréquent chez Cisco, je ne sais pas comment c'est possible, mais ils ont encore laissé une clé SSH pour le compte root par défaut, avec la clé privée et publique. Donc il est possible de récupérer la clé privée et donc de s'amuser après à se connecter sur toutes les autres plateformes Policy Suite avec la clé privée, et donc d'avoir le contrôle à distance de ces solutions.
Ça aussi c'est intéressant sur les caméras IP. Généralement, il y a un éditeur qui s'occupe de faire des firmware pour plein d'autres constructeurs. Et il y a un éditeur dont j'ai oublié le nom qui vend à une dizaine, quinzaine de constructeurs de caméras. Et son système est vulnérable à des attaques réseau en UDP de mémoire. Donc vous avez voilà, un petit article qui détaille ces vulnérabilités. Et je crois qu'elles ont été publiées sur Metasploit. Ça peut toujours être intéressant à regarder, surtout si ce sont des caméras de surveillance, en particulier pour des endroits sensibles. Alors, Apple iOS, donc on va pas faire le bulletin iOS chaque mois, mais celui-là est quand même assez intéressant, en particulier du fait de la quantité hallucinante d'exécution de code à distance, ce qui est quand même peu fréquent pas tant que ça chez iOS. Donc là, vous avez un certain nombre d'exécutions de code au traitement de tout plein de formats, que ce soit des images, des PDF, etc., et vous obtenez une exécution de code. Doubler ces vulnérabilités, doubler d'élévation de privilèges locales, ça vous permet tout simplement d'être administrateur, enfin root, d'un iPhone ou d'un iPad à distance, certains sans interaction utilisateur. D'ailleurs, la vulnérabilité qui est détaillée ici ressemble beaucoup à celle qui avait été utilisée par l'entreprise NSO Group avec son malware Pegasus. Vous avez tous les détails d'ailleurs? Oui, vas-y. Sachant que la version 15 fait partie des dernières versions disponibles sur iOS. La 15.1, c'est la dernière, donc ça, elle corrige toutes ces problématiques-là. Ensuite, alors, ça, on n'en parle pas souvent. Donc, il y a plusieurs compétitions dans le monde de vulnérabilité. Et il y a une compétition que je ne connaissais pas du tout. Je me demande si ce n'est pas la première édition qui s'appelle la Tianfu Cup, qui se passe en Chine et qui revient un petit peu à faire un pwn to own. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est juste une compétition organisée par soit des vendeurs de solutions de détection d'intrusion, soit des éditeurs et qui propose un certain nombre de cibles. Donc, là, vous avez toutes les cibles présentées à jour de leur dernier correctif de sécurité, et le but du jeu, c'est en un temps limité que des chercheurs viennent démontrer une vulnérabilité qui permet d'en prendre le contrôle à distance, prendre le contrôle totalement à distance. Donc ça, c'est la version finalement chinoise du Pwn to Own. Et donc là, vous avez toutes les cibles. Finalement, ça représente à peu près tous les systèmes d'exploitation et navigateurs que vous avez un peu dans le commerce, en tout cas les leaders. Tout a été compromis sans réelle surprise. Et c'est donc une équipe qui s'appelle le Kunlun Lab, qui vient d'une entreprise qui s'appelle donc la Cyber Kunlun, qui est une entreprise spécialisée dans la découverte et la vente de vulnérabilités, de Zero Day. Donc c'est eux qui ont remporté la compétition, avec quand même un joli chèque à la sortie. Par contre, la particularité, c'est que depuis la loi qui a changé en Chine, nous en avions parlé le mois dernier, tout chercheur qui trouve une vulnérabilité, quelle qu'elle soit en Chine, et qui est chinois, doit la communiquer à son gouvernement avant de la publier ou de la remonter à l'éditeur. Donc j'imagine que toutes les vulnérabilités qui ont été jouées ici sont parties dans l'arsenal du gouvernement chinois. Donc j'espère que tous vos équipements sont à jour, ou en tout cas que vous êtes capable de détecter des intrusions. Et donc Pwn to Own, qui a eu lieu cette année à Austin, qui était la version spéciale, on va dire, routeur, imprimante, smartphone. Donc là encore, vous avez la liste de toutes les cibles. Et ce qui est notable cette année, c'est que Synactive a participé et Synactive a terminé premier de cette compétition. Donc bravo à l'équipe. Là, c'est rigolo, on voit une exécution de code sur une imprimante avec l'affichage du logo de Synactive et d'un petit ninja. Donc très très belle performance de l'équipe de Synactive, donc félicitations à eux. Et là encore, comme tout à l'heure sur Tianfun, vous avez la liste de tout ce qui a été attaqué, et quasiment la totalité de ce qui a été attaqué a été piraté à distance. Ce qui est peu rassurant. Oui, Hervé dit vive la France, tout à fait. Donc là, cette fois, nous avons remis en place les statistiques du mois, enfin du nombre de vulnérabilités par éditeur et par mois. Bon, encore une fois, c'est difficile de comparer des choux et des carottes, parce qu'en fait, c'est totalement dépendant aussi du nombre de logiciels que maintiennent chaque éditeur, mais ça permet quand même de voir que certains, comme Google, ont vraiment énormément de vulnérabilités, la majorité étant quand même d'Android. Alors que Microsoft, finalement, qu'on peut beaucoup critiquer sur les vulnérabilités, n'en a pas tant que ça, comparé à Google.
Ensuite, alors les piratages. Alors la première est assez intéressante, c'est la Banque nationale du Pakistan qui a été piratée, mais pas pour un vol de données, mais pour de la destruction. C'est-à-dire qu'un espèce de malware a été déployé pour détruire le boot des ordinateurs, des ATM, un peu de tout, et ça a eu des impacts assez importants sur les systèmes d'information de la banque. Je pensais en avoir parlé à après, bon, c'est pas grave. Donc, il y a eu plusieurs attaques, enfin, plusieurs problèmes informatiques en Iran qui ont été attribués à des attaques cyber. Alors, je sais pas si ça vient vraiment d'attaques ou pas, mais en tout cas, il y a eu des problèmes avec des stations-service, mais également avec le métro iranien qui ne fonctionnait plus. Ah, bah, si, c'est là, exact. Alors, je vais me permettre de modifier les slides en temps réel. Comme ça, je vais le supprimer. Autre piratage, donc des réseaux 5G d'opérateurs qui ne sont pas nommés dans les articles ont été détectés comme compromis par la NSA, qui l'a remonté aux opérateurs. A priori, ces entreprises, enfin ces opérateurs, avaient des parties exposées, alors c'est marqué dans le cloud, en tout cas exposées à Internet, et qui ont permis aux attaquants de prendre un premier pied dans le réseau et ensuite de progresser et de compromettre les réseaux 5G. Et d'ailleurs, la NSA et la CIA ont publié un guide de sécurisation des réseaux 5G. Et c'est rigolo parce que quand on le regarde un peu en diagonale, finalement, ça revient un peu à ce qu'il faut faire. Juste, enfin, ce sont juste des bonnes pratiques de sécurité. C'est faire de l'analyse de risque, identifier ses vulnérabilités, les corriger, mettre en place des durcissements, etc. Enfin, ce qu'on peut rappeler aussi sur la partie 5G, hein, c'est que c'est l'avènement des nouveaux types de réseaux, que ce soit SS7, SDN, NFV, et qu'on a de plus en plus une partie logicielle, là où avant on avait du matériel plus spécifique avec des PABX, des centraux, etc. Et que on passe au tout informatique, proche de l'informatique de gestion, si je puis dire. Et que Pas loin. du coup, c'est plus facile de compromettre ça, puisque on revient sur des trucs plus standards par les pirates informatiques. Hein. On n'a pas besoin de posséder l'équipement un peu exotique pour pouvoir essayer de le reverser. Là, ça revient à du logiciel standard, enfin, entre guillemets. Côté ransomware, alors ça c'est rigolo, donc le groupe, enfin rigolo, le groupe Conti, qui est un groupe assez connu en ce moment pour pas mal de compromissions, a piraté une entreprise du luxe en Angleterre qui vend des diamants, oui c'est ça, et parmi les données qui ont été publiées, il y avait les données personnelles de Mohamed Bin Salman, État arabe uni, je me trompe, Arabie Saoudite. Donc le prince et a priori ça n'aurait pas plu au Kremlin qui aurait demandé donc aux attaquants de Conti de retirer les données personnelles de Mohamed Bin Salman MBS et donc Conti a fait un communiqué pour s'excuser d'avoir publié les données de MBS en indiquant que normalement il triait bien les données, évitait ce genre d'erreur, mais que là vraiment il s'était trompé, ils étaient vraiment désolés. Donc c'est assez rigolo de voir ce genre d'excuses d'un groupe de cyberattaquants. On peut imaginer qu'il y a eu de fortes fortes pressions de la part bah, potentiellement du pays qui les héberge pour retirer ces données. Ça c'est intéressant aussi. Donc nous en avions parlé, je crois que c'était le mois dernier. Donc le malware Babook avait vu son code source fuiter suite à des conflits internes entre différents cybercriminels. Et grâce à cette fuite de données, Avast a pu coder un outil permettant de déchiffrer les fichiers chiffrés par le malware Babook. Ça aussi, c'est intéressant. C'est une étude du Trésor américain qui a identifié que sur les 6 premiers mois de l'année 2021, sur les transactions, la globalité des transactions Bitcoin, il y avait à peu près 5 milliards de dollars qui correspondaient à des affaires cybercriminelles. Ce qui n'est pas énorme par rapport à la quantité de transactions en Bitcoin, mais c'est toujours important. Côté défense entre guillemets, pas mal d'arrestations de cybercriminels et d'auteurs de malware, en particulier le groupe Revil. 7 personnes ont été arrêtées, donc en particulier 3 en Corée du Sud. Je suis surpris de trouver des gens en Corée du Sud travaillant pour Revil. Il y a aussi le groupe Dark Matter qui a annoncé arrêter ses opérations. Je pense qu'il doit avoir soit récolté suffisamment d'argent, soit peur de la police, soit les deux. Et le département de la justice américain continue à justement essayer d'arrêter tous ces groupes et ils mènent les enquêtes. Et nous en parlerons tout à l'heure dans le troll d'ailleurs. Et également un autre outil publié par Bitdefender pour déchiffrer des fichiers chiffrés avec le malware DarkSide.
Côté attaque 2.0, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2015-2016, il y avait eu une mode qui consistait à utiliser les caractères Unicode left to right et right to left override pour inverser la lecture des noms des pièces jointes dans les mails. Donc en fait, en Unicode, vous avez certains caractères invisibles qui permettent d'inverser le sens de lecture, le but étant de pouvoir avoir des langues comme l'arabe, le japonais, des choses comme ça. Mais ces caractères peuvent être utilisés aussi sur des langues latines, ce qui fait que ça inverse le sens de lecture. Typiquement là, sur un exécutable, je m'étais amusé à donc changer l'icône pour que ça ressemble à un Word, et en fait le document s'appelle .exe, vous voyez le .exe ici, mais en fait j'ai inversé le sens de lecture plusieurs fois, et en fait le .exe se retrouve au milieu, et c'est le milieu du document qui s'appelle qtivimportant.doc qui se retrouve à la fin. Donc ça, c'était assez utile, enfin c'est assez utile, pas forcément utile, mais c'était rigolo, c'était utilisé pas mal en pentest, mais ça a été bloqué par la plupart des fournisseurs de mails et logiciels de mail. Et c'est le grand retour de cette technique, mais sur du code source. Donc il y a un chercheur qui a publié un papier sur le sujet, très intéressant, où en fait, vous pouvez écrire du code qui paraît légitime, comme par exemple celui-là. Vu d'un être humain, bah, ça paraît légitime. C'est si, voilà, par exemple, si le niveau d'accès du compte qui essaie de s'authentifier, par exemple, est différent de user, et bien dans ce cas-là, on considère que c'est un admin, ça passe. Et en fait, du fait de ces caractères invisibles que vous ne voyez pas ici, le code réellement interprété, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est si différent de user, enfin, avec le faux commentaire, etc. Donc en gros, ça passe tout le temps. Donc c'est-à-dire que tout utilisateur est administrateur. L'intérêt de ça, c'est donc de cacher les caractères quelque part dans le code, souvent au niveau de commentaires, et de faire passer des commentaires qui sont, enfin, faire passer du code dans des commentaires. Donc c'est assez intéressant. Je ne sais pas quelles sont les portées réelles de ce type de manipulation, mais en tout cas, c'est toujours rigolo à voir. Et vous pouvez faire des grèves sur votre code en cherchant ces caractères en particulier pour voir si quelqu'un les a utilisés ou a fait un commit un peu bizarre. Oui, alors je vois dans les commentaires, les récompenses nous en parlerons dans la partie troll justement. Autre piratage finalement classique, c'est une librairie NPM qui s'appelle User Agent Parser, qui a été backdooré, c'est-à-dire que l'auteur a priori s'est fait voler son login et son mot de passe, et quelqu'un a rajouté une petite porte dérobée dans l'installation de la librairie, ce qui fait que bah, un certain nombre de personnes se sont fait compromettre, et cette porte dérobée ne faisait que télécharger une DLL et l'exécuter à l'installation de la librairie. Autre grand classique, mais cette fois un peu plus modernisé, les arnaques au président, mais cette fois avec vraiment du deep learning et donc deep voice, en imitant la voix d'un dirigeant. Et donc là, c'est une attaque concernant une entreprise qui a où en fait la voix du dirigeant a été imitée, et c'est le classique. Il faut un virement urgent parce que nous devons faire une acquisition d'une entreprise, donc vite, urgemment, il faut faire le virement. Si vous ne faites pas le virement, vous êtes viré. Enfin, voilà. Et là, imitant la voix du président de l'entreprise, ça a bien marché. Donc méfiance, toujours un double contrôle. Ça, c'est aussi intéressant à double titre. Le premier, c'est que donc, la base de données de tous les Argentins a été volée et a été publiée sur le Darknet. Donc, bon, premier fait intéressant. Le deuxième, c'est qu'en fait, le darknet, c'est pas du tout le darknet. Globalement, quand les gens parlent de darknet, c'est uniquement les forums que je cite là, c'est-à-dire des forums qui sont publiquement accessibles sur Internet sans authentification, dont leur contenu est visible sans authentification. Donc, il y a beaucoup d'articles qui parlent de darknet, alors qu'en fait, ce ne sont que ce quatuor de sites. D'où cette petite animation que je me suis permis de faire. Mais globalement, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller sur le Darknet pour chercher des fuites de données, des choses comme ça. Vous allez essentiellement sur Red Forum, d'ailleurs, qui en ce moment a des petits problèmes. Donc il y a le site Mirror qui est R Mirror, je crois, un truc comme ça, pour voir ce qui fuite sur votre entreprise ou sur vous. Ensuite, ah oui, donc là, pas mal de pannes ces derniers temps, et cette fois, c'est un opérateur de télécom coréen qui est victime d'une panne, avec encore une fois une erreur de configuration BGP, ce qui a impacté plusieurs millions de clients, dont des écoles et pas mal d'institutions. Bon, pendant 40 minutes, ce qui reste assez réduit. Concernant les outils, alors celle-là, je ne sais plus. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Je crois que c'est Aurélien qui l'avait rajouté.
Bon, je passe. Alors, le deuxième est intéressant, ce sont des vieux articles, mais toujours aussi efficaces pour détecter les intrusions. En fait, vous avez plusieurs techniques assez simplistes avec des outils basiques qui vous permettent d'analyser vraiment les processus qui tournent sur un système d'exploitation Windows et de voir s'il y a un comportement louche ou pas. Plus pour de l'informatique. Ça, c'est un outil assez intéressant qui permet de lire la partition, enfin le fichier qui décrit vraiment la partition NTFS de façon, enfin sans avoir à utiliser Windows. C'est-à-dire que si vous avez un Windows compromis et que vous n'avez pas la capacité de faire une capture du disque dur, vous pouvez utiliser ce type d'outil qui va vous permettre de lire le système de partition sans, enfin en contournant tous les hookings que pourrait mettre en place un malware. Donc c'est toujours intéressant à avoir. Côté Red Team, un petit article intéressant sur le contournement des EDR. Globalement, c'est toujours à peu près la même chose. C'est soit essayer de hooker plus bas que l'EDR, soit faire des appels aux API natives de Microsoft. Après, le truc, c'est que on peut potentiellement détecter après, mais une fois qu'on a du code malveillant qui est exécuté, ça devient quand même très très difficile de détecter. Enfin, c'est déjà quasiment perdu côté EDR. Même si, du fait du comportement des attaquants, il y a toujours un moment où il va commettre une erreur ou avoir un comportement louche qui sera détecté dans une règle de détection comportementale. Alors ça fait un moment que c'est sorti, mais je ne l'avais pas vu, donc je l'ai rajouté. C'est la VM offensive de l'entreprise Mendiant, donc qui est l'équivalent d'une Kali, qui a été publiée. Ce qui est très intéressant, c'est la collection d'outils où finalement il n'y a pas des milliards d'outils comme sur Kali, mais il y a vraiment des outils efficaces, en particulier pour des environnements Microsoft Active Directory et Windows. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, Loftcrack, qui est un outil qui date de mon adolescence, donc de plus de 20 ans, qui a été utilisé pour faire les attaques sur les environnements Windows, a été publié en open source. Donc, 20 ans, 25 ans après. Donc, je vous invite à aller regarder le code source, c'est intéressant. Autre outil publié, Elsassi, qui est un outil développé par Romain Benz, Pixis, qui permet d'aller faire une capture de la mémoire à distance sur un système d'exploitation Windows, de ne pas rapatrier toute la capture, mais de rapatrier uniquement les éléments nécessaires à récupérer les mots de passe en mémoire, ce qui est très intéressant, et peut-être généralisé à tout un système d'information sans saturer la bande passante du système d'information. L'outil est en version 3.0 avec une réécriture complète et plein de nouvelles méthodes pour capturer la mémoire. L'outil s'utilise très très bien tout seul, mais s'utilise surtout avec CrackMap Exec. Et ça, je n'ai pas regardé, je vous laisserai regarder après coup. Ah bah si, c'est un analyseur de LF, donc qui vous permet de récupérer toutes les données concernant un binaire donc Linux. Toutes les données métadonnées d'un binaire Linux. Business et politique. Alors, le premier article, je ne l'ai pas lu, donc je vous laisserai le lire à tête reposée. Le deuxième, nous en parlerons d'ailleurs dans les trolls, c'est il y a quelques mois, nous avions parlé de l'entreprise Clearview AI, qui est une entreprise américaine qui s'est amusée à télécharger tout LinkedIn, éventuellement tout Facebook et donc tous les réseaux sociaux, pour faire de la reconnaissance faciale généralisée sur tous ces réseaux sociaux et donc de croiser ensuite les données. Je crois qu'au début, ils avaient publié une espèce d'application qui était destinée essentiellement à des VIP ou à des riches pour faire de la reconnaissance faciale directement. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu plus ouvert. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'entreprise, mais là, le gouvernement australien leur a carrément demandé de supprimer toutes les données qui concernent les citoyens européens. En gros, ce qu'ils disent, c'est que l'impact sur la vie privée est beaucoup plus important que le réel avantage, enfin l'intérêt de cette application. Dans le monde, alors tout à l'heure nous parlions d'une des vulnérabilités qui avait été utilisée par NSO Group, suite à toutes les aventures d'NSO Group entre l'espionnage de comment s'appelait Khashoggi et de la femme de Khashoggi, qui a été enfin l'homme a été assassiné dans l'ambassade de son pays en Turquie, l'histoire avec les 50 000, la liste des 50 000 personnes
sous surveillance de NSO Group qui ont potentiellement été compromises par cet outil. Donc le département de la justice américain a décidé de placer NSO Group dans sa blacklist des entreprises avec lesquelles on ne peut plus travailler, en tout cas dont on ne peut plus acheter les produits, en particulier avec d'autres entreprises qui ont été ajoutées. Alors j'en ai un petit peu discuté avec des sachants, je ne connaissais pas du tout cette blacklist ni ses effets. Je me demandais si c'était contournable, si c'était pipeau ou pas, et apparemment ça n'est pas facilement contournable et c'est vraiment sérieux et donc ça a vraiment un impact sur NSO Group. Après je me pose la question de savoir si NSO a vraiment des clients aux États-Unis. Autre sujet concernant NSO également. Comme NSO Group vend une solution de malware qui utilise des vulnérabilités zero day, qui cible essentiellement les smartphones et en particulier les applications de messagerie type e-message sur iPhone ou WhatsApp. Il y a eu des indices de compromission d'applications WhatsApp par l'entreprise mère WhatsApp. Par NSO, mais découvert par WhatsApp, et donc de ce fait, WhatsApp a attaqué en justice NSO par rapport à leurs conditions générales d'utilisation. NSO a tenté d'échapper aux poursuites judiciaires en demandant à peu près la même immunité que les fonctionnaires qui travaillent pour les agences étatiques, et ce qui a été rejeté par la justice américaine. Donc nous verrons le prochain épisode, mais en tout cas donc l'affaire NSO en justice n'est pas du tout gagnée pour NSO et il risque de prendre relativement cher. Autre sujet, je vais passer sur ARM, je vais passer également sur Dell et VMware, ce qui peut avoir des impacts côté sécurité, parce que donc les produits VMware vont être totalement séparés de Dell, donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Alors, autre affaire aussi, Proofpoint contre Vade Secure. Donc Vade Secure, qui est la solution française de sécurisation du mail, de sandboxing, etc., qui a été attaquée en justice par Proofpoint aux États-Unis. En première instance, sur le premier jugement, malheureusement, Proofpoint avait gagné, et donc Vade Secure avait été condamné à une amende de 14 millions de dollars. Et donc là, Proofpoint insiste, et donc apparemment, ils ont trouvé de nouveaux préjudices. Et cette fois demande 29 millions de dollars à Vade Secure, donc c'est relativement chaud quand même pour Vade Secure, mais c'est une technique relativement classique des entreprises américaines et de leur gouvernement, qui est d'utiliser leur justice pour faire du protectionnisme et essayer de se défendre des acteurs non américains qui essaieraient d'aller sur le marché américain. Autre sujet, alors ça c'est surprenant, mais Proofpoint et Gatewatcher donc ont signé un accord de partenariat. Donc en gros, Gatewatcher intégrera des règles fournies par Proofpoint dans ses solutions de détection d'intrusion. Et oui, je vois dans le chat, il y a aussi les sous-marins, les sous-marins français. Il y a également eu Alstom. Enfin, il y a eu beaucoup des histoires comme ça. Le premier est assez rigolo, c'est une lettre ouverte du SIGREF contre Microsoft, parce qu'en fait avec Windows 11, il y a beaucoup de changements qui imposent du nouveau matériel, et en gros le SIGREF critique ces changements sous l'angle de l'écologie, ce qui est assez surprenant, mais pourquoi pas. Dans la continuité des arrestations dont je parlais tout à l'heure, Europol a fait pas mal encore d'arrestations de différents groupes de ransomware, donc c'est plutôt une bonne chose. Et en particulier, il y a eu l'opération Dark Hunter, donc j'adore le jeu de mots, bravo, qui a arrêté 150 cybercriminels à travers le monde. Donc vous avez la liste de toutes les. Alors ça, c'est pas du ransomware, ce sont des marketplaces dans le dark web, on va dire, essentiellement dans Tor, qui permettait de vendre des drogues, des armes à feu, des choses comme ça. Vous avez même une vidéo d'ailleurs d'une partie des arrestations, tournée à l'américaine bien sûr par le FBI. Alors ça fait partie de ce qu'on m'a envoyé ce midi. Donc a priori, l'ANSI a changé la durée de validation de validité de ces certifications, qui passe maintenant à un an, ce qui fait que les solutions Storm Shield ne sont plus DR, donc diffusion restreinte, ni EL4+. Elles vont le redevenir très rapidement, mais en tout cas pour l'instant elles ne le sont plus sur le papier. Côté conférences, j'ai pas du tout mis à jour ce slide. Donc si vous voulez, vous pourrez m'envoyer les conférences que je n'ai pas citées, mais il faudra que je les rajoute. Il y en a pas mal d'ailleurs qui commencent à se réorganiser. Et les derniers slides.
Alors ça, le tweet a été retiré, mais donc le site The Hacker News a disparu pendant quelques heures. Apparemment, quelqu'un chez Google a supprimé tout le site, le compte The Hacker News chez Google. Et le service a été rétabli très rapidement finalement par Google. Concernant les ransomware, donc le gouvernement américain a mis une récompense de 10 millions de dollars si vous arrivez à trouver des informations sur DarkSide qui permettent de les aider à les arrêter. C'est plutôt pas mal. DarkSide, c'est le groupe qui avait, enfin c'est le groupe, ce sont les auteurs du malware qui avait permis de pirater le fameux Colonial Pipe. Je crois que c'était cet été ou enfin en début d'année. Le groupe d'ailleurs s'était excusé en disant que normalement ils contrôlaient un peu mieux leurs utilisateurs et que ça n'aurait pas dû arriver, mais bon, l'entreprise qui gère le Colonial Pipe, pardon, a bien été piratée. Ensuite, alors si vous cherchez du travail, il y a une entreprise qui s'appelle Bastion Secure qui recrute. Et en fait, pas du tout. Il s'agit d'une fausse entreprise créée par le groupe cybercriminel FinSeven, qui avait pour but de manipuler des chercheurs en cybersécurité pour les faire participer à des véritables opérations offensives de déploiement de rançon logiciel. Alors je ne sais pas si ça a vraiment marché. A priori, il y a eu des gens qui se sont fait avoir et qui ont vraiment participé. Bon, vous avez quelques articles et quelques tweets sur le sujet. C'est assez intéressant et je crois que FinSeven avait déjà fait le coup avec des offres d'emploi en russe de ce type-là. Autre sujet tout à fait troll, la Russie a accepté, a priori, d'extrader un de ses cybercriminels vers la Russie, qui est un des membres du groupe de malware, enfin qui fait le malware Trickbot, ce qui est assez rare parce que d'habitude la Russie n'extrade pas ses ressortissants vers les États-Unis. Alors, autre sujet très très troll, si vous utilisez la touche F12 de votre navigateur pour voir le code source d'une application, vous êtes un cybercriminel. En tout cas, c'est ce que souhaiterait le gouverneur du Missouri, parce qu'en gros, il y a un journaliste américain qui, sur un site, a réussi à récupérer des numéros de sécurité sociale juste en allant regardant le code source, en allant regarder pendant le code source. Et bon, après ça, donc il y a le gouverneur du Missouri qui a demandé à ce que ce soit considéré comme un acte cybercriminel, et il y a eu tout le bad buzz que vous imaginez sur Internet sur le sujet, avec plein de mèmes, etc. Donc, voilà. Alors, ça aussi, je sais pas si vous l'avez vu, mais Facebook a annoncé arrêter les reconnaissances faciales, mais uniquement avec Facebook. Comme ils ont changé de nom, qui s'appelle Meta, maintenant avec Meta, ils vont continuer à le faire, mais pas avec Facebook. Voilà, c'est l'hypocrisie du jour, ça. Et donc du fait du changement, donc ne parlez plus de GAFAM, mais de Magma. Alors c'est JP qui a mis ça tout à l'heure dans notre chat. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais bon, alors on peut utiliser Magma maintenant. Et dernier slide, bon anniversaire. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez. Les vieux vont reconnaître ce que c'est que ça. Les jeunes potentiellement aussi. En tout cas, ça a un peu plus de 20 ans. Et oui, c'est effectivement, bravo, c'est une clé d'activation Windows XP qui avait pour particularité d'être, alors je sais plus comment ça s'appelait, mais activation en masse, ce qui permettait d'activer un nombre infini de Windows XP qui a été blacklisté depuis, bien sûr, et qui avait été diffusé surtout quelques jours avant la sortie de Windows XP. Et il y a aussi cet article qui fête ses 25 ans, donc le fameux Smashing the Stack for Fun and Profit, donc un des premiers articles qui décrivait le Stack Buffer Overflow, donc le déplacement de tampons de pile, et donc depuis avec pas mal de mesures de sécurité pour s'en prémunir, mais voilà, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, mais ça marche toujours aussi bien, quasiment, à quelques deltas près, mais ça fonctionne toujours. Et voilà, c'était le dernier slide. Si vous avez des. Alors, mais quoi? GAFAM, AMAM. Ouais, c'est pas mal aussi, AMAM. Si vous avez des questions, des actualités que nous avons oubliées, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les rajouterons. Et puis sinon, voilà, c'est terminé pour ma part. Et donc, nous nous retrouverons le 9 décembre. Pardon, j'ai sauté le slide. Le 9 décembre pour. L'OSIR, malheureusement toujours en visio, et nous allons essayer de reprendre en présentiel à partir du début de l'année prochaine.